Salut tout le monde, ici Snake de retour avec la Chinowin et aujourd'hui, Summer Nightmare. Je me suis dit qu'un petit jeu en mode visual novel, ça passerait bien. J'ai téléchargé celui-là au hasard. Il me semble que c'est pas un jeu méga bien fait. Surtout qu'on le dernier visual novel qu'on a fait, c'était Doki Doki Literature Club. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait être marrant. Hein. Au pire, on rira un bon coup. Donc on va commencer. C'est parti. Est-ce que tu te souviens de ce cas de tueur en série qui continue d'arriver dans une certaine classe? Malheureusement, une autre victime vient d'arriver. Ce problème a encore été plus mis en avant vu que la victime était le seul fils du XXX Group, du président du groupe XX. Ok, what the fuck? Maintenant, la troisième classe des juniors de l'école Cali se retrouve avec seulement un étudiant. Tout le monde est mort. What the fuck? Je ne voulais pas en entendre plus, donc j'ai éteint la télévision. What the fuck? Il reste plus qu'un élève dans la classe et personne ne se pose de questions. Tous mes camarades de classe ont été tués les uns après les autres par un tueur inconnu. Et je suis le seul qui reste. Je dois quand même toujours aller à l'école, mais vous êtes dingue. Même si personne ne reste. Putain, elle est hardcore ton école, hein. Mon père, selon ma mère, est mort dans un accident malheureux. Puis plus tard, ma maman est morte aussi. Putain, mec, ta vie, c'est quoi ta vie? Toute ta classe est morte, tes parents sont morts, ton chien est mort, ton poisson rouge est mort. Wow. Ok. Ah, il faut que j'aille en cours, mais tous mes camarades sont morts et tous mes profs sont morts. Mon école a brûlé. Oh bref, arrêtons de penser à ça. Il est temps d'aller à l'école. À plus tard, maman et papa. Tu parles à une photo, mec. Waouh. Le principal pense que je suis le tueur. Oh mec, ta vie. Sans parler du fait qu'il pense que j'ai tué Kai. C'était mon ami d'enfance. Je ne le tuerai jamais. C'était mon ami d'enfance. Je ne le tuerai jamais. Aïe aïe aïe. C'est déjà l'éclate. C'est la pause. Oh là là, ça pue. C'est la pause. Tous les étudiants du couloir me regardent bizarrement. Est-ce qu'il me suspecte aussi? Bah écoute. Étudiant 1. Hé, hey, c'est pas le mec qui a tué tous ses camarades de classe. Ah, il ose montrer son visage à l'école. Ah, il fait vraiment peur, vraiment. Tout le monde tout le monde susurre en me regardant. Je fais semblant de n'entendre rien. Et je baisse les yeux. Ah, mon pauvre. Ah. Wow, salut, hello to you. Elle a tous les atouts qu'il faut. Riel, tu vas bien? Ouais, je veux dire, par rapport à la situation, je veux dire, je m'en sors pas trop mal. Ne les écoute pas, ils ne disent que les trucs stupides sans savoir, sans te connaître. Au moins, toi, tu me fais confiance, bien sûr. Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Lina est la seule qui me croit. Lina a été mon amie depuis mon enfance jusque-là. Fais gaffe, hein, Lina, parce que les amis d'enfance de ce gars ne finissent pas très bien en général. Bref. Tout d'un coup, un groupe de d'harceleurs et de bullies vient me voir. Oh, regardez-moi ce mec comme il est trop dark, trop edgy. Ah, c'est lui le fameux assassin, n'est-ce pas? Oh, la tête du gars. Ah, t'as vraiment du courage pour te montrer ici, espèce d'assassin. Est-ce que ta mère... Est-ce que ta mère t'a appris à être comme ça? C'est quoi ce dialogue? Est-ce que ta mère t'a appris à être un assassin? Oui, mon papa c'est Hitman et ma maman c'est Lara Croft. Ne parle pas comme ça de ma maman. Ah oui, c'est juste, ce bâtard n'a pas de maman. Oh là là! Regardez-moi son visage. À cette vitesse, il va tous nous tuer, n'est-ce pas?
Les gars, arrêtez. C'est qui cette salope, une de tes putes? Ok. Faites attention les gars, ils pourraient peut-être vous planter. Lina était énervée pendant que les petits méchants se rigolaient entre eux. Riel serre son poing. Soudainement, un garçon qui tenait un livre avec un visage ennuyé apparaît devant nous. Oh, le stéréotype du gars avec les lunettes, Oscar! Les gars, vous n'arrêtez pas de faire du bruit. Ok. C'est quoi? Les dialogues sont super mal écrits, c'est un anglais super cassé. Si tu sais ça, pourquoi tu la fermes pas? Si vous avez déjà fait attention, soyez silencieux. C'est quoi ces dialogues? Je suis presque sûr que le gars qui a fait ce jeu... L'anglais, c'est pas sa langue maternelle, on va juste dire ça. Quoi? Le couloir ne vous appartient pas, donc fermez-la. Espèce de nerd. Être stupide, c'est pas un truc dont on peut être fier. Oh, il l'a cassé. Ok, arrêtez, c'est Oscar, le chouchou du prof. Si on l'emmerde, on va avoir des soucis, donc cassons-nous. Waouh, c'est la première fois qu'être un chouchou du prof sert à quelque chose. Effrayés par Oscar, les harceleurs se calment et retournent dans leur salle de classe. Ah, ce garçon nous a sauvés. Ah, ça doit être un brave gars. C'est quoi ce délire? Merci. Merci pour quoi? Pour nous avoir sauvés. Moi, vous sauvez? Hein? Vraiment, je suis juste venu ici parce qu'il y avait trop de bruit. Vous aussi, arrêtez de faire du bruit et cassez-vous de mon chemin. Oscar s'en va froidement loin de nous. Il est pas si gentil qu'on ne le pensait. Il est plutôt emmerdant. Oh là là, c'est quoi son problème? Tu vas bien, Lina? Je vais bien, je dois retourner en classe. Retourne-y aussi. Et oublie ce que les autres disent. Voilà, courage. Ok, Lina, amuse-toi bien en classe. Pendant que je vais seul en classe. Ok, je suis tout seul dans le couloir. Beaucoup de choses ont changé en une seule journée. Kai, qui était un de mes amis les plus proches, est mort. Et les gens pensent que je l'ai tué. Oh là là, ça tourne tellement rond. Ça tourne trop rond, c'est quoi cette merde? Ah, c'est tellement nul. C'est dur de respirer quand j'entends tout ce que les gens disent sur moi. J'ai brisé la promesse que j'ai fait à Lina et j'ai quitté l'école. Mais si je savais ce qui m'attendait, je n'aurais jamais quitté les lieux. Ok, d'accord. On va voir des trucs, enfin. J'ai quitté l'école et je suis arrivé au temple. C'est le temple où je venais souvent avec ma mère. Je venais souvent ici quand je tombais malade ou que quelque chose de mal m'arrivait. Mais c'est la première fois que je visite l'endroit depuis que ma mère est morte. C'est un peu bizarre de venir ici tout seul. Je dois dire un truc, les dessins, les designs des lieux et des personnages sont pas moches, mais par contre la qualité des dialogues, ah là là. Le temple avait à la fois une atmosphère lourde et bizarre, c'est comme si quelqu'un m'observait, je me suis agenouillé sur le coussin et j'ai fermé mes yeux. J'espère que je peux prouver mon innocence et que tout redevienne normal. Je sens que quelque chose a changé, quoique je ne fais qu'imaginer. Le temple a l'air beaucoup plus rouge qu'avant. Beaucoup plus rouge qu'avant, mais c'est ça veut dire ça. Le temple vide me donne la chair de poule. Je suppose que je vais rentrer à la maison. Oh waouh, on est à Kamurocho, trop bien. Kiryu, viens nous sauver. Il pleut à l'extérieur, je suis presque sûr qu'il faisait soleil quand je suis sorti. Mais maintenant il fait noir et il y a du brouillard. Quelle heure est-il maintenant? Il est que 2h de l'après-midi. 2h de l'après-midi? Ok, il n'y a personne dans les rues. Tous les magasins sont fermés. On est arrivé à Silent Hill en bref. C'est quoi ce magical girl bullshit qu'il y a derrière toi? C'est comme si j'étais arrivé dans un monde complètement différent. Donc j'ai arrêté. Je me suis arrêté et j'attends le bus. Ah enfin, le bus est ici. Mais le bus est aussi vide. Le bus se conduit tout seul. On est où là? On est dans Détroit?
J'ai reculé et je suis vite sorti du bus. Le bus avec personne à l'intérieur a disparu. J'ai commencé à me sentir froid et j'ai couru à la maison dans la pluie. Dès que je suis arrivé à la maison, le téléphone a sonné comme si quelqu'un savait que j'allais arriver. La sonnerie est inquiétante. J'ai essayé de me calmer et j'ai répondu au téléphone. Au téléphone, je pouvais entendre une voix robotique. Je suis dans la cinquième classe des juniors. Si tu ne viens pas tout de suite, ta copine Lina va goûter à l'horreur, à une horreur qu'elle n'oubliera jamais. Lina! Je suis vite arrivé à l'école et j'étais inquiet que quelque chose pouvait lui arriver. S'il te plaît, sois en sécurité. Je ne sais pas qui c'est, mais Lina est en danger. Je veux trouver qui m'a menacé. Avant tout, je dois aller à la cinquième classe pour la sauver. Wow! Urg! Ok, d'accord, on a été happé par des ombres, par les enfants des ombres. Arg, où suis-je? Mon professeur est devant son bureau. Et Trey, le président de la classe, est juste à côté de lui. Les sièges sont tous remplis avec les étudiants qui semblent être inquiets et qui commencent à susurrer les uns les autres. Ils se susurrent des trucs. Le professeur tape du poing deux fois sur le bureau. Notre classe et le président de la classe est même quai. Ils sont tous morts, mais comment est-ce possible? Ok les gars, calmez-vous. Si vous suivez mes instructions, tout le monde sera en sécurité. Ouais les gars, calmons-nous tous, écoutons ce qu'il a à dire. Maintenant, une méduse est... une méduse est dans l'école. Je sais pas d'où elle vient, mais bref, si vous la rencontrez, vous devrez courir. N'essayez pas de la combattre. N'essayez même pas de la regarder dans les yeux. Sinon, vos battements cardiaques vont augmenter de manière drastique. Et jusqu'à exploser. Ok, c'est pas vraiment ça que ça fait une méduse, mais bref. Si quelque chose arrive, venez me voir tout de suite, je serai dans le bureau. Si quelque chose m'arrive, la réputation de le représentant de la classe sera votre chef. Ok, il sort. Ah, juste, souvenez-vous que vous ne pouvez pas sortir de l'école. Je vais aller au bureau pour essayer de résoudre ce problème. Ok, donc en fait, les gens ne sont pas morts. Ils ont été téléportés dans cet endroit. D'accord, le professeur prend son livre et sort de la classe. Trey ouvre sa bouche et tout le monde le regarde. Nous serons tous unis. Si on est divisé, nous tomberons. Nous savons tous ce que cela veut dire. On doit se serrer les coudes pour sortir d'ici. Cet endroit est dangereux, donc essayons de trouver un endroit sûr. Suivez-moi. Trey quitte la classe après avoir fini son petit laïus et tout le reste le suivent. Et quoi, personne voit que je suis là? Quoi, une méduse? De quoi est-ce qu'il parle? Et maintenant tout le monde est encore en vie, ça doit être un rêve. Je ferme mes yeux, j'essaie de me réveiller, mais je réalise que tout ça, ce n'était qu'un rêve. C'est pas le moment pour ça, Lina, je dois trouver Lina. Ok, on avait dit 5ème classe. Lina, je marche dans la classe en criant le nom de Lina. Mais la classe est vide, personne n'est là, attendez, c'est le hairpin, c'est la comment on dit en anglais, comment on dit en français ça, hairpin. Le truc pour, vous savez, pour les cheveux. Oh, bref. Je vais voir dans le siège de Lina un livre de musique. Aller à la classe de musique, suivre Trey ou juste oublier et attendre ici. Ben non, allons à la classe de musique. Peut-être qu'elle est dans la classe de musique. Enfin un choix, j'ai envie de dire. Il n'y a personne dans la classe de musique. Ok, cool. Je devrais aller chercher ailleurs. Hein? J'essaie de sortir de la classe, mais j'ai été renvoyé dans la salle. Ok, il y a déjà un monstre. Ah, Oscar est celui qui m'a poussé dans la classe. Pourquoi est-ce qu'il ferait quelque chose comme ça? Le visage d'Oscar est rempli de sueur, de transpiration. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as ouvert la porte si vite. Il y a une méduse dehors. Une méduse? Ouais, la méduse se promène dans les couloirs et elle essaye de manger des gens. Est-ce que tu dis qu'il y a une méduse dehors? Ok.
Le lieu où t'es va devenir rouge quand la méduse est dans le coin. Tu as de la chance d'être encore en vie. Mais nos amis sont toujours là-bas, là dehors. Lina pourrait être là aussi. Oscar m'arrête, m'empêche d'aller dehors. J'essaye de secouer, mais ça ne marche pas. Maintenant, t'es vraiment suicidaire. Je veux pas mourir avec toi, donc calme-toi. Mais... Je te l'avais dit. Les victimes. Ah, d'accord. 11e classe. 3e classe, Raon, Fusen, Anno, Yono. Mais c'est les gars de notre classe. Tu devrais vraiment me remercier d'être encore en vie. C'est pas le moment pour ça. Je sais pas comment tout ça s'est arrivé, mais on peut rien faire pour l'instant pour les gens qui sont morts. Ce qui importe, c'est que on puisse en sortir ici en sécurité. Pour l'instant, c'est pas le moment d'être en deuil. Bref, ta copine, on dirait qu'elle est encore vivante, donc relaxe-toi, copine. Oui, la fille avec les cheveux bleus qui t'a aidé dans le couloir, c'est pas ta copine? Pas encore. Beau gosse, il a des plans. Ouais, bien, bref. Il fait calme dehors pour l'instant. On devrait sortir. Ok. Wow, what the fuck. Je suis revenu dans notre classe, mais il n'y avait personne là. Des fleurs étaient placées dans quelques-uns des bureaux. C'était pas là avant. D'accord, c'est du sang sur des fleurs. Est-ce que c'est la méduse qui a fait ça? Putain, elle est super attentionnée, cette méduse. Elle est cool. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est nul. Jusque-là, c'est nul. C'est juste marrant parce que c'est mal écrit, mais c'est nul. Je cherche quelques indices qui pourraient nous permettre de sortir d'ici. Je vais aller dans la salle de broadcasting. Salle radio, je suppose. C'est là que le signal radio... C'est de là que venait le signal radio. Donc, quelque chose doit être là. Ah, toi, je dois trouver Lina. Est-ce que tu sais où elle est? Je ne sais pas. Si tu penses la trouver sans information, tu devrais juste abandonner. Pourquoi tu ne me suis pas? Peut-être qu'on trouvera Lina pendant qu'on cherche des indices. Tu as raison, mais... Eh bien, c'était funérailles. D'accord, mais aide-moi à trouver Lina. Ok, ça aurait été bien d'avoir le choix ici. Quelqu'un ouvre la salle de classe. C'est très, c'est ça? Ah, U. C'est très, il est vivant. Très, réel. Quoi, qui arrive? Tu es vivant. Mais qu'est-ce qu'il arrivé avec les autres? Les autres ont été attrapés par la méduse. J'ai à peine réussi à m'enfuir. J'aurais dû les chercher. Très n'a pas pu finir sa phrase et se met à pleurer. Ah, c'est triste tout ça. Oh, regardez-le comme il est mignon, il pleure. Je mets ma main sur ses épaules pour le réconforter. Perdre ses amis en les regardant dans les yeux, ça a dû être difficile. Je n'ai fait qu'apercevoir la méduse et c'était horrifiant. Elle était entourée par une aura rouge. Putain, c'est le Satsui no Hado. C'est Akuma en fait. Une jupe toute ensanglantée, des cheveux qui font peur. Des cheveux qui font peur. Oui, c'est des serpents ces cheveux en gros. Juste ne voir qu'un aperçu m'a fait trembler de peur. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il a vraiment l'air d'aller bien? Putain, Riel, c'est sérieux. On doit se casser d'ici, Riel. Où est-ce que tu allais? Dans la salle de la radio au 3e étage. On a pensé que quelque chose pourrait être là. La salle radio, je viens d'y aller. La porte était fermée. Super. Attends, tu étais au 3e étage pendant que cette chose te courait après. Oscar a regardé très avec ses yeux un peu ouverts. Puis a continué de regarder Oscar et a continué à parler. C'est vraiment écrit bizarrement. J'ai vraiment du mal à vous traduire ça d'une manière correcte. Je me suis rendu compte que j'étais déjà au 3e étage quand j'y suis arrivé. Bref, ça ne servira à rien d'aller au 3e étage vu que la porte est fermée, oui. Venez avec moi au ground floor. C'est quoi? C'est au rez-de-chaussée, je suppose. Je dois aller au bureau. Oscar, qu'est-ce que t'en penses? Je ne vais pas au bureau, Riel. Si tu veux y aller, tu peux y aller tout seul. Et puis, je pense que j'ai entendu des cris qui venaient d'en bas. Je vais suivre très...
Allons au bureau et allons rencontrer le professeur. Encore une fois, ça aurait été bien d'avoir le choix. Ok, le bureau est assez bleu, donc il fait silencieux et c'est vide. Je ne serais pas surpris si quelque chose sortait par surprise à la fin du couloir. Ça veut dire quoi ça? Le jeu nous dit qu'il va y avoir des jumpscares. Ah bref, laisser Oscar tout seul m'embête un petit peu, mais il n'y a pas d'autre choix. Si, il y a d'autres choix en fait, mais bref, puisque tu veux pas nous laisser le choix, je... Pour l'instant, j'ai rien fait à part faire un seul choix. On rentre dans le bureau avec Trey. Riel, Trey, professeur. Je me suis calmé quand j'ai vu le visage du professeur. Je le vois tous les jours, mais vu cette occasion, je me suis senti particulièrement calme. Je suis content que vous êtes encore vivant. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres enfants? Les autres enfants ont été mangés. Bien sûr, la radio avait raison. Ça me fait plaisir que vous au moins vous êtes sains et saufs. J'attendais ici en attendant d'autres étudiants. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider? Il doit y avoir une façon de sortir d'ici. Bref, est-ce que vous pouvez trouver quelques indices qui pourraient nous aider? Ben bien sûr, professeur. Allez à la librairie ou allez au troisième étage pour trouver Oscar. On sait que le troisième étage, il n'y a rien. Mais je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée de laisser... On va aller voir Oscar. Troisième étage, le couloir du troisième étage est assez froid. Où est-ce que Oscar a bien pu aller? Avant tout, allons à la librairie. Il n'y a personne à la librairie. Pourquoi est-ce qu'on chercherait pas un peu dans les livres? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans les livres? Il y a trop de livres. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose ici? Trouvons la description de l'école. Pourquoi faire? Rien. Sans blague, rien. Ouais, rien. C'est bizarre qu'il n'y a rien du tout. Est-ce que les pages de description ne sont pas censées avoir des informations sur l'histoire de l'école? Je pense pas qu'on pourra avoir des informations ici. Continuons notre recherche. Oui, en effet, c'était une belle perte de temps. Super. On est où, là? Une salle de classe? Rien ici. Pas d'Oscar. Ça fait vraiment peur de venir dans cette salle, dans ce laboratoire, quand il fait aussi sombre. La salle de science est remplie avec l'odeur de produits chimiques. Le modèle du corps humain de la salle de science nous donne l'impression de nous fixer. Ouais, bon, bref. Attendez, il y a quelque chose... Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça dans la salle de classe de sciences? Je n'ai jamais vu ça avant. Une seringue avec une forme bizarre. On n'a jamais utilisé un tel outil. Soudainement, j'entends une voix de derrière moi. Oscar. Bizarre, n'est-ce pas? Oscar, où est-ce que tu étais? Cette école n'était pas une école à la base. De quoi tu parles? On était dans la salle des ordinateurs. Tu n'as pas... il vaut peut-être mieux pas ne pas marcher aussi bruyamment, sinon la méduse va nous trouver. Ah, j'étais tellement inquiet. J'étais tellement inquiet de trouver des indices que j'ai pas pensé à pas faire de bruit. T'es vraiment un con, mon gars. Suivez-moi dans la pièce des ordinateurs. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Plein d'ordinateurs. Monica ? Quand on est rentré dans la salle des ordinateurs, on a vu une fille qui était assise devant l'ordinateur. C'est Jane, G.I. Jane. Je l'ai rencontrée au troisième étage. Salut. C'est un peu gênant. Tu étais ici pendant tout ce temps? J'étais dans la cafétéria avec tout le monde, mais les casse-couilles ont pris toute la nourriture et ont causé et nous ont fait chier. Tout le monde est encore à la cafétéria sans doute. D'accord, donc toi t'étais juste ici en train de naviguer sur 4chan, à vous. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? Une carte de l'école, trop bien. L'écran est bleu, j'étais curieux aussi. On est en train de chercher des manières d'arrêter tout ça. Et voilà ce que j'ai trouvé ici. Ça date d'il y a 20 ans. D'il y a 20 ans. On dirait une carte. Oui, c'est une carte de ce bâtiment. Mais on dirait que c'est un peu différent de ce qu'on voit aujourd'hui.
C'est la partie la plus importante, plutôt que les classes, il y a des laboratoires. Donc Scar et moi, nous étions en train de spéculer que l'école était un... Putain, était un laboratoire de recherche avant. On peut même voir des journaux laissés par les chercheurs d'il y a 20 ans. Ok, pourquoi pas. Un journal, hein. 1990X. D'accord. L'expérience numéro 137 était très... a été réussie. À cette vitesse, nous pourrions la ramener à la vie. Comme le boss nous l'a dit, on peut le faire. Notre école était un lieu de recherche, je ne l'ai jamais su. C'est nouveau pour nous. Merci de nous avoir fait savoir, Riel. Allons dire ça à notre prof. Allez voir le prof ou aller autre part? Non, allons autre part. Qu'est-ce que je m'en fous du prof, moi? Continuons de chercher des trucs. Et puis, puis allons voir seulement le professeur. Dans ce cas, je vais dire à d'autres professeurs... Je vais aller voir le professeur, moi, tout seul. Bah, Bob, salut, Trey, t'es mort. Hein. T'es mort, Trey. Ok, est-ce qu'on devrait aller à la salle de la radio? La dernière fois que j'ai checké, la porte était ouverte. Ok, comme par magie. C'est vraiment Monica. Hein. C'est vraiment Monica. On devrait être capable de trouver quelque chose là-bas. D'accord. Ok, la porte était effectivement ouverte, comme Oscar l'a dit. Dès que j'ai ouvert la porte, je pus entendre un petit son qui se répétait à partir de la machine. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Rends-le plus fort. Jane, augmente le volume. C'était plus facile d'entendre avec le son. Oui, sans blague. C'est la 11e classe, 5e classe. Si vous ne venez pas tout de suite maintenant, ta copine Lina va... Ce son, c'est la... que j'ai reçu tout à l'heure. Tout a commencé d'ici. Lina, je suis désolé de ne pas avoir pu te trouver tout de suite. Attends, je pense qu'il y a plus à la fin. Oscar a raison. Est-ce qu'on peut rendre l'audio plus clair? Moi, je faisais partie de l'équipe audiovisuelle, je suppose. Attendez une minute. Jane touche la machine quelques fois. Et la voix de Lina peut être entendue clairement. Ok, la cave, je suis à la cave. Super, cave. On a une cave. On doit y aller tout de suite. Mais notre école n'a pas de cave. Peut-être qu'il y en a une. Allons voir s'il y a une cave. Il y a tellement de choses cachées dans notre école. Oh là là. On doit trouver Lina. Trouvons une entrée pour la cave. À partir du premier étage. Non, à partir de... Où est-ce qu'on devrait aller? Je sais pas, moi, on va... Peut-être qu'au bureau... À la cafétéria. Il y a peut-être du monde à la cafétéria. Voyons voir ce qu'on peut faire. Le passage vers la cave doit être au premier étage. Oui, au rez-de-chaussée, tu veux dire, plutôt. Ok, il y a bordel ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Salut. Ah, les connards! Qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit que ça serait cool de trouver quelqu'un avec qui partager des informations. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas une voie d'issue ensemble? Si on se réunit tous, on pourrait peut-être s'enfuir. Comment? Pour le moment, je ne sais pas, mais on pourra trouver un moyen bientôt. Aussi, on a dû s'enfuir de la méduse sans manger rien du tout. Est-ce que vous pouvez partager un peu de nourriture? T'as pas trouvé une façon de t'enfuir, mais tu veux choper notre nourriture? Ça serait suicidaire de se promener comme ça sans but. On va attendre ici que les secours arrivent. Il n'y a pas de nourriture pour toi, donc casse-toi. Ok, donc contrairement à ce que je pensais, on se fait rejeter. Bah non, moi je m'y attendais, mon gars, t'es vraiment un con. Mais. Ok, assez, ça va rien changer, c'est des égoïstes, c'est même pas la peine. Allons-nous-en, Oscar quitte la cafétéria. Riel, alors Jane est avec nous aussi? Ouais, j'ai dit cassez-vous, ouch. Waouh, le connard l'a poussé, comment as-tu pu? Est-ce que tu vas bien, bande de bâtards? Je vais bien, allons-y, j'ai peur. Eh ben, j'espère que vous allez mourir. Wow, 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 Riel, qu'est-ce que tu fais avec Jane? La jambe de Jane saigne. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Pour soigner les blessures de Jane, on a été à l'infirmerie, qui était juste à côté de la cafétéria. Ok, les couleurs pures de l'infirmerie contrastent avec l'extérieur, blablabla, ça fait mal aux yeux d'arriver dans un endroit aussi clair.
asseyez-vous ici. Je peux pas faire ça toute seule. T'inquiète pas, on va te recoudre, meuf. Tout va bien. Ne bouge pas, je vais faire ça pour toi. D'accord. En jugé par l'odeur, quelqu'un était là avant nous. Ah bon? Pourquoi l'odeur? L'odeur de quoi? Ça ne sert à rien. Oh non, ouvrons. Quelque chose est bizarre, est-ce que je devrais l'ouvrir? Oui, ouvre. Ouais! Wouh! Enfin un cadavre! Vous savez quoi, on va arrêter ici. J'ai pas envie de continuer ce jeu, c'est vraiment nul à chier. Si vous voulez voir la suite de l'aventure, je vous invite à télécharger le jeu. C'est gratuit sur Steam. Perso, j'ai pas du tout aimé, c'est nul. Les dessins sont pas mal, hein. L'ambiance musicale est bien aussi. Mais tout le reste, oh là là, comme c'est nul. 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 Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to social...